Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes, des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct ici à l'Assemblée nationale. Question d'actualité pour ces deux dernières semaines ici en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, basé sur la mise en place du bureau définitif de la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Mais question est autour de cette plateforme politique, l'Union sacrée de la nation, où il y a des gestations autour des candidats ou les tickets pour le reste des postes, hormis celui du président dont il y avait les élections primaires entre Christophe Mbosonkolia, actuel président du bureau d'âge, mais également très cher téléspectateur Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo. Finalement, Vital Kamerhe avait rapporté cette victoire, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le reste des postes, c'est le vice-président, deuxième vice-président, Kester adjoint, rapporteur adjoint. C'est une question qui a connu beaucoup de remous, d'autant plus que le bureau de l'Union sacrée a déjà envoyé un ticket qui n'a pas fait l'unanimité dans les camps des différents députés nationaux. Ici, il y a récemment, nous avons diffusé des déclarations des différents députés qui se disaient déjà des choix, au moins ces bureaux d'âge ici en direct. Alors, nous allons prendre un député national parce que tel qu'on vous annonce dans quelques instants, il y a déjà des pétitions qui se pointent à l'horizon pour se soulever contre le membre du Présidium de l'Union sacrée sur le placement des personnes qui devaient être élues pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous allons vous laisser suivre cette réflexion autour d'un élu de l'espace Grand Oriental sur les différentes personnes dont leurs candidatures ont été interjectées ou bien refusées. C'est depuis hier mardi, mesdames et messieurs, 14 mai 2024, qu'il y a eu ces agitations ici en direct. Alors aujourd'hui, pour ce mercredi 15 mai 2024, nous allons prendre à quelques heures de la publication de la liste définitive. Emmanuel va s'exprimer pour vous donner son point de vue sur la gestion de cette plateforme de la majorité parlementaire ici en direct de la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Selon le calendrier, c'est aujourd'hui qu'il y aura l'affichage pour savoir qui est candidat à tel poste. Mais maintenant, là, nous sommes à quelques heures, comme vous les donnez. Mais nous vous disons sincèrement, c'est que quel que soit ce qui va être affiché maintenant ou après une heure ou deux heures, nous allons nous décider comme les élites du peuple. Nous allons nous décider, c'est-à-dire, si les choses ne sont pas là par rapport à la représentativité provinciale, nous n'allons pas accepter. Okay. Et si c'est même affiché de cette façon, nous allons voir qu'il y aura des retournements de situation, je te l'ai dit. Je suis au nom d'Emmanuel Bakabi, élu d'ailleurs dans cet espace Grand Oriental. La question de Néma
et de l'autre candidature là, ce n'est pas votre problème. Parce que nous allons résoudre ça à l'interne. Parce qu'il y aura d'autres gens qui vont désister en faveur de tel ou tel autre. C'est que pour ça, même s'il y a deux ou trois candidatures de la grande professoriatale, ça, ce n'est pas, ça ne vous concerne pas. Et puis nous allons y revenir parce qu'en réalité, la question par rapport au quota à la République nous revient des droits. C'est ça un peu. C'est-à-dire que même il y a deux ou trois candidatures, ça ne vous concerne pas. Parce que nous allons nous consulter à l'interne et nous pensons que la candidature de Mme Nehem, qui est notre candidature que nous allons porter. Non, le problème c'est quoi? L'Union sacrée d'ailleurs en réalité, je vous l'ai dit, comme un honorable député national et puis un légaliste, je vous dis sincèrement que l'Union sacrée, d'une manière juridique, c'est une coquille vide. Il n'y a pas un député qui est élu sur l'Union sacrée. C'est que chacun est élu sur son regroupement, sur son parti. Et maintenant, là, s'il faut même faire la formation du gouvernement, même s'il faut faire pour la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale, on doit contacter les gens. On doit contacter nos autorités morales pour nous faire ce qui est des droits pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, le sommet des troubles, aujourd'hui dans l'Union sacrée, c'est ce présidium-là qu'on appelle Mbosso, qu'on appelle Vital Kamerhe, qu'on appelle Bemba, qu'on appelle Kabuye, qu'on appelle Badi. C'est comme ça. C'est-à-dire que ces cinq personnes ne doivent pas prendre des paroles et des idées pour la République et puis pour tout le monde, mais pour les cinq personnes. Et qu'on a compris que même eux-mêmes savent que, d'une manière de moralité, on a compris qu'ils ne sont pas capables de nous gérer dans la République. C'est ça. C'est-à-dire que nous, j'ai souhaité de terminer, parce que quand Badi prend son fils, le maître comme questeur, et Bemba, aussi qui n'a même pas été élu comme député, prend sa sœur pour être comme questeur ou rapporteur adjoint, et tous les autres. C'est ça comme ça. C'est-à-dire que ce pays est pris en otage par les présidiums. Je viens de citer tous ces noms-là. C'est ça et puis le problème. On a eu trop de problèmes. C'est le président de la République qui est la seule autorité qui nous a remis à l'ordre. Parce que par rapport d'ailleurs à ce présidium, la grande orientale était ignorée. Mais le président de la République a dit que la question revient des droits pour la grande orientale. Que ce soit pour l'Itour, ou déjà c'est chez nous, ça c'est à l'interne. Mais maintenant, ce présidium qui nous a ignorés, c'est-à-dire qu'il a ignoré en même temps la République. Et tout le monde qui a même amené des députés qu'il faut aujourd'hui la majorité présidentielle. C'est ça. C'est ça l'Union sacrée. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.